Primitive de tangente b de x dx. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je le refais qu'encore une fois. Voilà, ça fait pas de tort pour ceux qui doutent pour la fonction tangente. Si c'est la énième fois qu'ils le voient, qu'ils peuvent retenir une fois pour toutes que bon, tangente, la formule de la tangente, tant mieux. Donc on pose u égale bx, du égale b dx, et donc du sur b est égal à dx. Alors on a tangente x, b, c'est pas tangente x, je m'excuse, c'est tangente bx. Différentielle de x, bien sûr, c'est tangente. Alors u et dx, c'est du sur b, c'est-à-dire qu'on a 1 sur b tangente u du, en primitivé. Alors, tangente u, c'est sinus u sur cosinus u. Différentielle de u. Attention que c'est la différentielle ici. Hein. Ça, vous reconnaissez dv sur v ou v égale cosinus u. Donc la différentielle de v, c'est moins sinus u du. J'ai fait peut-être une petite erreur. Je vais regarder tout de suite. V égale cosinus u. La différentielle de v, c'est moins sinus u du. Et donc dv, c'est la différentielle de cosinus u. Donc ici, je me suis trompé. Voilà, ça c'est déjà mieux. Et donc bien sûr, ça je peux écrire que c'est moins 1 sur b, primitive de moins... ouais, c'est ln de v, c'est ln de cosinus u. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ici. Sinus u... Voilà, ça c'est bon ça. Donc c'est différentiel. Et donc là, vous avez ln de v. V, c'est cosinus u. Et u, on avait posé... BX.
Donc, moins 1 sur BU, je vais prendre le moins. Et je vais parler en termes de sécante. De sécante. Alors je rappelle que si je vais transformer en sécante, le cosinus c'est l'inverse de la sécante. Attention, ici c'est une multiplication. Hein. Donc on aura moins ln de 1, moins, alors c'est ce moins-ci, hein, quand j'écris ce moins, c'est le moins-là. Je vais écrire moins, moins, moins. Par contre, du fait qu'on a un ln avec une division, ça donne aussi à un moins. Ln de A moins ln de B. Ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Alors, ln de 1, ça fait 0. Donc, moins 0. Hein, on a moins 0. Moins par moins, plus. Ln, bien sûr, de la sécante de x. En valeur absolue. Et donc, la formule, c'est ça. Voilà, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, donc c'est bon. Parce que ln de cosinus x, la sécante, c'est 1 sur cosinus. Donc 1 sur cosinus va donner moins ln de la sécante. Mais comme il y a un moins devant, là, ça fait plus ln de sécante. Donc ce sera ln de sécante, bien sûr, à une constante A près. C'est-à-dire A sur. Donc c'est bien ce que j'ai noté. Je vous remercie.